Et coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur Chloé Game Squad, où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur ma vidéo d'Overloopé, j'avais dit qu'une vidéo sur Adopt Me allait arriver très bientôt. Du coup, elle est là, ça y est, et du coup, ça va parler d'un sujet qui est très compliqué à... De toute façon, vous verrez sur la vignette de la vidéo, vous verrez que c'est comment avoir une licorne méga néon plus facilement que par le jeu, en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu tenter une expérience pour vous et pour moi. Pour savoir si vous aussi vous pourrez tenter sans vous faire arnaquer cette expérience. Parce que c'est quand même une expérience un peu folle et que on se dit. Enfin, que en fait on ferait pas tous. Du coup, voilà. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que sur eBay, un site internet qui vend de tout. Vendait des pets Adopt Me. Alors je trouvais ça très bizarre et du coup j'ai découvert la valeur en argent de beaucoup de pets. Voilà. Alors il faut savoir que le pet que j'ai acheté est un de mes c'était un de mes dream pets. Bon, maintenant je le possède, du coup c'est plus mon dream pet, hein, vous imaginez bien. Et j'en suis très contente de l'avoir eu plus facilement parce que vraiment je galérais vraiment avec les trades à l'avoir. À chaque fois je mettais tout mon inventaire, j'essayais vraiment d'avoir ce pet et j'en suis contente parce que je le trouve ultra cute et je pense qu'il est très connu, quoi. C'est la licorne méga néon. Alors je voulais la sortir, la mienne, voilà, elle est là. Bubble, je l'ai appelée, donc voilà, elle ressemble à ça. C'est la licorne méga néon que j'ai pu me procurer grâce à eBay, donc c'est quand même quelque chose d'assez fou, hein, voilà, de se procurer une licorne méga néon par eBay. Je trouve ça un peu... hors du commun, enfin voilà quoi. C'est pas du jour au lendemain, on va pas vous dire. Sur eBay il y a des pets, donc voilà. En gros, il y a des vendeurs en particulier qui viennent de certains pays, en gros, qui vous vendent des pets avec de la vraie argent. Donc moi je me suis dit que ça pouvait être rentable puisqu'on dépense des Robux pour acheter des pets pour après pouvoir avoir ce pet en trad, sauf qu'on n'est même pas sûr de l'avoir et que... Et que c'est quand même compliqué de le posséder, de... Voilà quoi, c'est, je trouve ça compliqué de l'avoir, de... C'est un pet quand même qui a beaucoup de valeur, c'est une unicorn méga néon. Donc c'est quand même un pet qui a beaucoup de valeur. Donc c'est quand même compliqué à l'avoir. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tenter cette expérience avec ce pet. Il y avait même des frosts, des shadows méga néons, des girafes méga néons, des girafes néons. Il y avait tous les pets du jeu en vente, pratiquement tous. Du coup, moi j'ai commandé sur un vent avec... j'arrive plus à parler français, c'est super. J'ai commandé chez un vendeur qui était quand même conseillé, bien noté et tout ça. Mais j'avais quand même peur des arnaques. Puisque c'est quand même... Enfin, c'est des pets rares. Du coup, on va pas vous les donner comme ça, tu vois. Donc, t'as peur un peu des arnaques. Et en fait, finalement, au bout de quelques jours, bah, j'ai pu me... allez, sans vous mentir, au bout d'une semaine, j'ai attendu une semaine pour la commande, et bah, je l'ai eu. Normalement, c'était du 15 février au 26 février, et moi, je l'ai eu le 19, je crois. Je l'ai eu le 19 février, je crois. Attendez, je sais plus quel jour, mais je crois que c'était le 19 ou le 18. Et du coup, voilà, donc j'ai déjà patienté moins que... Enfin, j'ai pas patienté plus que prévu, donc ça c'est bien. Et en plus, le vendeur, comme j'avais quand même un peu patienté, il m'a offert un pet qui est quand même très très rare. Enfin, voilà, il est pas plus rare que ça, mais il est quand même très très bien. C'est le Golden Dragon Fly Ride.
Donc quand même c'est gentil de savoir parce que j'ai pas attendu plus que les délais qui étaient prévus, mais c'est pas vraiment logique pour moi, mais en tout cas c'est très gentil de sa part parce que j'aime beaucoup ce Golden Dragon princesse. Voilà. En plus j'ai la Golden Unicorn que j'ai appelée Forest. Du coup j'ai les deux Golden Pets. Du coup je trouve ça cool. Et du coup voilà. Mais du coup je vais vous un peu plus vous renseigner sur ça. Alors, du coup, vous allez sur eBay. Du coup, je vous mettrai d'ailleurs en description le vendeur. Comme ça, si vous voulez vous aussi commander, faire une commande de pets ou quelque chose comme ça, bah vous pouvez en description, qu'est-ce que je vais mettre? Bah vous pourrez grâce au lien, enfin directement du vendeur. Donc ça c'est bien. Et donc ça coûte l'argent. La licorne méga néon, je vais vous dire le prix hein, voilà. De toute façon vous le verrez peut-être de vous même. C'est 20€. Voilà, le frost c'est 18, le paro c'est 14, le shadow c'est 45. C'est quand même voilà quoi. La girafe c'est 20. Et voilà. Du coup voilà, vous avez à peu près une idée des prix qui peuvent être que les pets peuvent être vendus. Donc en moyenne le frost il se vend 18, 19, 20. Je crois que son maximum c'est 24 quand même, parce qu'il faut pas abuser non plus. Déjà une licorne méga néon à 20, c'est quand même pas mal hein. Ces gens se font beaucoup d'argent, mais au moins ça permet à nous de nous procurer des pets plus facilement, pas par le jeu. Mais au moins je les procure plus facilement. On peut devenir entre guillemets riche, comme on dit dans Adopt Me, plus facilement avec ce moyen, cette méthode. Après on peut pas tous forcément s'acheter des bêtes sur eBay, mais pour certains qui peuvent mais qui sachent pas comment faire pour avoir de beaux bêtes, bah vous pouvez aller sur eBay, acheter, et voilà. Mais justement, il y a des arnaqueurs, donc il y a des scammers. Donc il faut pas, enfin, faut faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Enfin, je veux dire, il y avait quelqu'un qui n'avait aucune vente, pratiquement aucune vente, qui vendait son frost vraiment pas cher et que ça se voyait que c'était une grosse arnaque. Donc voilà quoi. Ça se voyait grave que c'était une grosse arnaque. Alors, sachant que si on fait bien le compte, on est bien d'accord que pour 1000 Robux, c'est plus de 10€. Donc, voilà. Et le gars vendait son frost à 7€. C'est même vendu moins cher que le prix d'origine du frost. Donc, c'est un petit peu improbable et c'est grave de l'arnaque. Ça, on le reconnaît, quoi. Mais on se demande comment on fait. Bah, en gros, vous allez sur eBay, vous commandez, vous contactez la personne vous donne son pseudo au bout de quelques jours, puisqu'elle a forcément beaucoup de commandes. Du coup, moi j'ai dû attendre jusqu'au 19, la preuve. Et du coup, voilà, elle vous tient au courant dès que bah, elle peut. Elle vous demande, dès que vous pouvez, vous aussi. En fait, elle vous donne son pseudo, vous donnez votre pseudo. Moi, je vous conseille de donner votre pseudo avant. Comme ça au moins elle sait c'est quoi notre pseudo la personne et il n'y a pas de complications et tout. Et du coup voilà, donc là la licorne méga néon c'est un mini dream pet, je suis contente de l'avoir aujourd'hui grâce à ce moyen. C'est pas forcément un moyen très commun de l'obtenir. Je vais d'ailleurs à la fin de la vidéo, je pense que je vous mettrai la trad de... La trad de ma licorne méga néon, c'était vraiment incroyable. Genre des trades comme ça, vous en voyez pas. Du coup, j'ai pris la capture aussi. Comme ça, au moins, je peux vous le mettre en vidéo surtout. C'est pas forcément... Attendez. Hein. C'était où que je l'avais fait? Désolée. Hein. Ah oui, il faut que je vous présente aussi... ma forêt house. En gros c'est une maison que j'avais fait camping. Voilà. C'était une maison camping que j'avais fait. La Lunar House. Je suis en train de faire un zoo à l'intérieur en glitch.
Du coup, voilà. Et sinon, je. Voilà. Attendez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me rappelle même plus de qu'est-ce que je voulais dire. Ça m'énerve. C'est quoi? J'en ai marre. Je sais plus. J'en ai marre. Là, j'ai un gros bug. Bon, je sais pas, on s'en fout, c'est pas grave. Et du coup, n'hésitez pas. Enfin, attendez. J'ai pas fini la vidéo là. Je me suis cru à la fin de la vidéo, mais non, en fait, j'ai encore plein de choses à dire. Du coup, aussi, dites-moi en commentaire. Enfin. Pour vous, une licorne méga néon, ça vaut quoi? Moi, je pense que ça vaut un frost néon parce que souvent, j'ai vu des gens le trad contre des frost néons. Et voilà. Mais j'ai un doute. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je la trad. Non, pas forcément à la trad, mais voir qu'est-ce qu'on peut me trad pour elle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me trad pour Bubble. Voilà, et du coup je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur Chloé Game Squad. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez le room tour de la forêt house. Et aussi si vous voulez le room tour du zoo. Du zoo. En fait, je ne l'ai pas encore fini. J'ai à peine fait une petite partie. Et du coup, dès que je l'ai fini, je vous ferai sûrement un room tour. Puisque j'ai vu que vous aimez bien les room tours. Et ça, moi, j'aime beaucoup en faire. Parce que j'aime beaucoup décorer les maisons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je décore votre maison. Voilà. Et aussi, si vous. Si vous. Si vous. Ah, je sais plus. Si vous. Si vous avez déjà testé d'acheter des pets sur eBay et si vous pensez que c'est une bonne idée ou que vous préférez bah pas prendre de risques ou voilà quoi. Moi j'ai pris le risque pour vous et pour moi. Comme ça au moins on pouvait voir l'expérience, ça pouvait aussi faire une bonne vidéo. Du coup je me suis dit que bah, ça pourrait être sympa de faire ça avec vous en fait, pas de mon côté toute seule. Oui évidemment la trad j'ai pas filmé en direct en parlant, en commentant en fait, mais je l'ai filmé, je vous la mettrai. Et franchement, c'est très gentil de sa part de m'avoir donné le Golden Dragon encore une fois. Je mettrai le vendeur en description. N'hésitez pas à checker, faire un petit tour. Pas forcément pour commander chez lui, mais juste pour voir un peu les pets et tout ça. S'il y a un pet qui vous intéresse éventuellement, que vous pensez vous payer ou vous acheter prochainement, bah vous pouvez aller voir et ça c'est vraiment sympa. Sinon, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Chloé Game Squad. Bisous!